C'est avec un éclairage à l'énergie solaire que les usagers de la rivière Lachigan pourront bientôt pratiquer leurs activités favorites. Lors de sa plus récente séance, le conseil de ville de Saint-Laurentide a adopté une résolution pour mandater la firme Leroux-Baudouin-Urins de prendre les dispositions nécessaires pour aller de l'avant dans ce projet. Ce projet, estimé à environ 300 000 $, consiste à l'installation de dispositifs d'éclairage sans fil sur une distance d'environ 1 km, soit du kiosque d'information touristique jusqu'à la hauteur de la rue Lorrain. L'installation devrait se faire au plus tard le 20 février, car des camions devront rouler sur la rivière pour compléter l'installation. L'administration municipale compte sur le PAC rural pour défrayer une partie du coût de réalisation du projet. Une demande sera d'ailleurs présentée en ce sens à la MRC de Montcalm dès mardi. Advenant un manque à gagner, Saint-Laurentide pigera dans son surplus pour acquitter la facture de ce projet. Ici Jean Joubert pour l'Express Montcalm.